Le Mali s'est associé à la Russie pour la construction d'une raffinerie d'or et une usine de transformation de coton. Les deux pays ont à cet effet conclu un partenariat. L'annonce a été faite par la présidence malienne dans un communiqué publié le lundi 28 octobre 2024. D'après des sources médiatiques maliennes, ces projets de coopération comprennent également l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers. Le gouvernement travaille sur le projet de création d'une usine d'affinage de l'or qui nous permettra d'assurer le traitement du minerai avant l'exportation, créant ainsi de l'emploi et de la valeur ajoutée. Troisième plus grand producteur d'or en Afrique, le Mali a produit 65 tonnes d'or pour des revenus d'environ 2,07 milliards de dollars américains en 2023. Cette production provenait en grande partie des sociétés minières opérant principalement dans les régions de Kayes et Sikasso. L'établissement d'une raffinerie de transformation et de coton permettra à ce pays d'Afrique de l'Ouest d'ajouter de la valeur à ses ressources naturelles pour en générer plus de revenus sur les ventes réalisées sur le marché international, selon des experts. Notre pays canalisera les revenus qu'il est en droit d'attendre de l'exploitation minière et développer par la même occasion le tissu industriel et commercial, ainsi que les diverses infrastructures au niveau local et national. Rappelons qu'après avoir signé des accords sur le nucléaire civil, l'énergie solaire et l'approvisionnement en céréales, le rapport entre les deux pays via cette collaboration prend désormais une nouvelle dimension avec l'appui économique dans les ressources agricoles et minières.